Johnny Hallyday, comment Carole Coupeau envisage son travail sur son album posthume. Interviewé par le journal Le Parisien, le musicien Carole Coupeau confie que l'album sur lequel Johnny Hallyday travaillait depuis des mois devrait bien sortir. Ces derniers mois, alors qu'il se battait avec la maladie, Johnny Hallyday travaillait à un nouvel album, qu'il comptait sortir en 2018. Tout au long de l'été, ses abonnés sur les réseaux sociaux ont pu le voir en studio et les dernières semaines, c'est à Marne-la-Coquette que les musiciens, dont Carole Coupeau, ont travaillé sur le projet dans un studio d'enregistrement installé pour l'occasion. Interviewé par le journal Le Parisien, le musicien et ami de Johnny Hallyday, Carole Coupeau, confesse que l'album, même si sa forme n'est pas encore parfaitement claire, sortira bien, il y a un album à finir. Il est important pour tout le monde. On réécoute les bandes qui ont été enregistrées. Je pense que personne ne sait encore exactement combien il y aura de chansons au final. Il ne s'agit pas de faire du remplissage, de mettre des morceaux pas finis, de la peau de près, il ne faut que des chansons que Johnny revendiquait complètement et dont il serait fier. Johnny Hallyday est décédé le 6 décembre dernier des suites d'un cancer des poumons. Le producteur Jean-Claude Camus, qui a pu écouter quelques morceaux de ce futur album, a assuré en novembre dernier : « J'ai écouté 7 ou 8 chansons de son dernier album. Il y a du matos, il y a de la voix.